Bonjour à tous. Et 11h, on va débuter la séance. Content d'être encore avec vous cette semaine pour faire ce petit entraînement. Aujourd'hui, on va faire un petit peu comme la semaine passée. On va faire vraiment du même style que la semaine passée. Un petit échauffement, gainage, ensuite un petit challenge, parcours de pompe. Et puis, après, on fait de nouveau un circuit cardio avec 6 exercices. Et puis, on enchaîne avec des intervalles de temps différents. Priscilla, viens nous dire bonjour aussi. Bonjour à tous. J'en étais où? Oui, on continue les intervalles de temps. Comme la semaine passée, on enchaînera les tours avec des intervalles différents. Et cette fois, on va de nouveau, par rapport à la semaine passée, ce qui sera différent, c'est les exercices qui ne seront pas tous tout à fait les mêmes. Et puis, les intervalles qui seront un peu différents. On commencera très fort. Ensuite, on aura un petit moment où ça sera un peu moins intense. Et puis, on refinira avec une série un peu plus difficile. Voilà pour le programme. J'espère que tout le monde est prêt, en forme. Nous, on est en forme. Donc, on commence comme d'habitude par le petit échauffement. C'est parti. Devant. Les jambes restent pareilles, les bras en côté. On commence tout gentiment à y arriver. Ensuite l'inverse, les jambes écartées serrées et bras devant derrière. Ok, retourne les hanches. Dans l'autre sens. Des grands mouvements. Ok, on tourne les bras en avant, les deux en même temps. Ok, toujours en avant, mais on fait du crawl, voilà. Ok, les deux bras en arrière. Et puis, on fait. Voilà, on nage sur le dos. Très bien, on tend les bras, on fait des petits cercles. Ok, on agrandit un tout petit peu les cercles, voilà. On souffle un petit peu les épaules normalement. Et on fait vraiment des plus en plus grands. Et puis on fait. Voilà. On fait la même chose. Par contre, en arrière, on commence avec des grands cercles. Et puis on rapetissit gentiment. Des moyens et des tout petits. Ok, on finit avec les genoux. Dans un sens, dans l'autre. Ok, on vient plier une fois en bas. Dérouiller un tout petit peu les genoux, on remonte. Et encore une fois. Très bien. On
Art pour le gainage. De nouveau, pas trop long aujourd'hui. Parce que on fera les ponts, vous verrez, ça se demandera aussi un tout petit peu de gainage. Donc on va pas se griller pour le petit challenge de pont. Sur les coudes, c'est parti! On se met sur le coude gauche et latéral, sans mettre les genoux par terre. On se remet sur les coudes, sur les deux. Et sur le coude droite. Ok, on remonte, on va faire juste deux pompes, 1, 2, on se retourne en arrière, on relève les hanches, on revient devant et c'est tout bon. Ok, très bien. J'explique le challenge pompe. Donc 10 pompes différentes. Toujours la possibilité de simplifier en faisant sur les genoux. Cette fois-ci, l'idée c'est de faire les 10 pompes différentes en les enchaînant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se met jamais les genoux par terre. Je fais les premières et puis ensuite j'enchaîne directement sur les deuxièmes. Je ne viens pas me mettre au milieu comme ça, poser les bras et repartir. Donc on va faire uniquement 5 pompes par type de pompe. Donc ça fait un total de 50, mais on essaye, notre but c'est de jamais reposer, rester toujours en position de pompe, même ceux qui sont sur les genoux, et ben tac, on reste quand même toujours dans cette position, on vient jamais se rasseoir ou autre. Je vais montrer une fois les 10 pompes et puis après vous me suivez. Difficile de se souvenir de tout, mais ça vous donne quand même une petite idée. En principe j'essaie de les faire dans le même ordre à chaque fois. Alors, les premières, pour s'échauffer, les pompes normales, donc 5. Ensuite, j'enchaîne avec les pompes serrées, mains serrées, à écarter, tac. Jambes écartées, bras serrés. Ensuite, troisième, on fera donc l'inverse, jambes serrées, bras écartés. Quatrième, on saute complètement. Cinquième, les petites. Sixième, j'applaudis. Septième, tac. Ensuite, on arrive à 8. Appui fascio dans ce sens-là. 9, appui fascio dans l'autre sens. Et 10, on change un tout petit peu le crocodile. Là, là, là. Ça m'a bien échauffé.
Donc voilà, l'idée c'est de les enchaîner comme ça. Nous, quand on aura fini les 5, on fera une toute petite pause, mais en restant en position, sans se poser. Et comme ça, après, on essaie de pouvoir partir tous en même temps pour les pompes suivantes. Je rappelle une fois l'ordre, si je me rappelle. 1, pompe normale. 2, pompe bras serrés. 3, pompe bras écartés. 4, pompe sautées. 5, petite pompe. 6, pompe en tapant des mains. 7, sauter inversé. 8, application dans un sens. 9, application dans l'autre. Et 10, les arbres. Ok, on se met en position. Pompe normale. 5 fois, c'est parti. 2, 3, 4. 5, ok, on reste bien en position, on se prépare pour les suivants, donc j'écarte les jambes, je serre, et c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, je me remets toujours dans la position de base, ensuite je serre les jambes, et j'écarte les bras, 1, 2, 3, 4, 5, ok, quatrième. Je me mets en position normale, je peux écarter un petit peu les jambes et c'est les pompes sautées. Tout décolle. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, magnifique. On revient et petite pompe. 1, 2, 3, 4, 5. Je remonte, on est à la moitié, ça commence à chauffer un tout petit peu. Pompe, je tape des mains. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ensuite, je vais mettre d'un côté et de l'autre. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Super. Appui facial en roulé. Je descends sur les coudes et je remonte. 1, 2, 3, 4 et 5. On respire, on reste en position. Dans l'autre sens. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Les dernières, donc crocodile, c'est-à-dire que j'ai une jambe, la jambe droite avancée, le bras droit reculé, et je vais toujours croiser, bien sûr. En pliant les bras. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Wow. Voyez, ça fatigue tout le monde. Nous aussi, on ne le fait pas comme ça, les doigts dans le nez, c'est difficile pour tout le monde, mais ça fait du bien. Très bien. Pendant qu'on respire un tout petit peu, je vais expliquer le parcours, les exercices suivants. On ouvre la fenêtre, hein, chez vous aussi. C'est un peu chaud, qu'il n'y a pas d'air. N'hésitez pas à ouvrir. On va avoir besoin d'air. Ouais. Pour les petits circuits. Donc. De nouveau, 6 exercices. Donc on enchaîne toujours dans le même ordre. Premier, on l'a fait la semaine passée. Je pars en position de squat. Un saut et j'arrive en fente. Tac. Squat. Et ainsi de suite. Deuxième.
Avance une jambe, mets en position, tirez sur les bras. Tac, là aussi. Vite, mais on essaie de faire un grand mouvement. Ça va de faire ça, hein, là, tac, tac. Serre toujours les doigts quand on le fait. Troisième, nouvel exercice, je crois qu'on n'a encore jamais fait. Je vais être face à la caméra. Je fais un pas chassé, je saute, et puis comme si je mettais un panier de basket. Pas chassé dans l'autre sens, et je saute. Tac. J'atterris sur les deux jambes, je me décale, et je saute. Pas besoin sur celui-là de trop plier les jambes quand vous sautez. Vraiment sur la pointe des pieds. Les pieds de jambes, on les fait assis sur l'éléphant squat. Ensuite, les demi-tours. Ceux qui font du judo, rentrez une prise, les autres, je rappelle, vous pouvez partir les jambes en parallèle. Je viens mettre une jambe en diagonale. Et ensuite, je fais un demi-tour et je finis mes deux jambes parallèles. Diagonale, deux jambes parallèles. Ensuite, dans l'autre sens, diagonale, deux jambes parallèles. Diagonale et les deux jambes parallèles. Judo, on rajoute les bras pour tirer un tout petit peu. Ensuite, 5. Saut, demi-tour. Donc là, cette fois-ci, on baisse les jambes. Tac. Tac. On peut, si on veut, faire une petite étape intermédiaire où on remonte. Si c'est difficile d'enchaîner complètement ces sauts. Ensuite, dernier exercice, abdos classiques. Soit vous mettez les mains en bas, soit vous les mettez là. Et on remonte. Voilà. Et abdos comme ça, crunch. Parfait. Donc, si exercice, le timing, ça va être les deux premiers tours, 40 secondes d'exercice, 20 secondes de pause. Donc, les deux tours s'enchaînent. Ensuite, ça s'enchaîne. Donc, on a 40, 20. On a les 20 secondes de pause, on enchaîne avec 20 secondes d'exercice, 10 secondes de pause. Donc ça reste difficile parce qu'on a toujours plus d'exercice de pause. Donc 40-20, 2 tours, 20-10, 2 tours. Ensuite, le tour, entre guillemets, un peu plus facile avec 20 secondes d'exercice, 40 secondes de pause. Donc le but c'est quand même d'aller vite sur ces tours-là, c'est pas juste de se reposer pour la dernière série, c'est de faire les exercices bien, mais on a vraiment de la pause pour reprendre un peu ses esprits et son souffle. Donc deux tours comme ça, donc on est à 6, et puis ensuite on fait uniquement un tour. Notre dernier tour, de nouveau aux 40 secondes d'exercice, 20 secondes de pause. Mais c'est qu'un tour, on fait les exercices plus qu'une fois, donc on peut se donner à fond. Vous voyez, les intervalles sont un peu différents par la semaine passée. Mais c'est le même principe, on ne s'arrête pas pendant environ 40 minutes, 36 pour être exact, selon le calcul du timer. Voilà, donc premier exercice, les squats fentes ou fentes squat, tac, pendant 40 secondes. Si vous êtes prêts, moi je suis prêt. Voilà, ça va. Bientôt. Quoi? C'est parti, fente, squat. Ah oui, il y a le clé. 32. Ah oui, voilà, 36. Voilà. C'est arrivé, 100 minutes. Il y aura peut-être un souci de chrono, mais pour l'instant, on se concentre sur ce qui se passe ici. On essaie de garder son rythme. Voilà, 20 secondes de pause. Tu t'es trompé dans tes calculs. Ouais. Alors, pas de soucis de chrono. C'est les calculs de la ligne qui se sont mélangés les pinceaux. Exercice 2, tirage sur les bras. C'est parti.
On ferme à chaque fois les doigts, hein. Les grands mouvements. Un seconde, on va se mettre de ce côté-là pour pas se sauter dessus, pas chasser, basket. Tac, tac. On atterrit toujours à pieds joints et on saute à pieds joints. Et on casse le poignet, là, pour les spécialistes du basket. Exercice 4, demi-tour, rappel, partez jambes parallèles, croisées, et on finit jambes parallèles. Et une jambe et l'autre. Donc là, descend squat, demi-tour. On peut faire un saut intermédiaire, enfin, relevé intermédiaire si nécessaire. Là, là, ou enchaîner. Très bien, dernier exercice du tour, abdos, crunch, jambes levées et puis abdos traditionnels, je dirais. Voilà, déjà fait le premier tour. Donc on continue, toujours avec le même temps de travail et de pause. Fente, squat, pour recommencer ce deuxième tour. Si
Si c'est trop facile, on met plus de rythme. Très bien. Exercice 2 sur les bras. Profite de reposer un peu les jambes pendant ces exercices sur les bras. Même si on garde une bonne position stable, gainée. Utilisez aussi vos doigts. Ouvrez, fermez les mains. Très bien. Le pas chasser basket. On essaie d'aller chercher haut, hein. Si on réussit à dunker, le palier est haut. Super. On s'accroche, même si ça commence à devenir dur. Prochain exercice, les demi-tours. Vraiment, si c'est difficile, pensez à toujours finir les deux pieds sur la même ligne, parallèle. Celui qui arrive bien, s'il est vraiment rapide, surtout sur la rotation. Exercice suivant, le 5, squat demi-tour. N'hésitez pas à faire cette petite remontée intermédiaire. Pour avoir un rythme qui est bon. Il est important de toujours descendre sur les jambes au départ et à la montée. Hein. Allez, dernier exercice pour cet intervalle 40-20, les abdos.
très bien. Donc on enchaîne, saut pause supplémentaire, au prochain top, fente squat, uniquement 20 secondes d'exercice. Donc on peut essayer de mettre un peu de rythme, 10 secondes de pause. Donc ça va être deux tours qui vont s'enchaîner assez vite. Hein. Essayons d'avoir un bon rythme, de garder, d'être concentré, de plier ses jambes. Voilà, très bien. Donc là, la pause est très courte, 10 secondes. On est déjà concentré sur le suivant. Tirage sur les bras. Très bien. Basket. À chasser les sauts. On se concentre, on prend tout de suite son rythme. On saute haut et on est rapide sur les pas chassés. Demi-tour. Là aussi, on essaie tout de suite de trouver son rythme. Saut, demi-tour, un squat, demi-tour. Allez, abdominaux. Très bien, on enchaîne, deuxième tour, même chose. On plie bien les jambes, c'est important. Le dos droit. Super. Tire sur les bras. Allez, on s'accroche. Basket. Très bien. Demi-tour. Ah.
Squat, demi-tour. Allez, on s'accroche. On arrive au bout de cette série. Super, abdominaux. Allez, 20 secondes. Très bien, ça enchaîne encore sur celui-là. Pour le tour suivant, on 20, 40. 20 squats, c'est parti. On aura de la pause. Mettez donc l'intensité sur l'exercice. Et du rythme. Et on descend sur ses jambes. Ah, super, donc là maintenant on a 40 secondes. On a vraiment le temps de récupérer. On a donc un rapport inversé par rapport aux premières séries où c'était deux fois plus de travail. Là c'est l'inverse. Deux fois moins de travail, deux fois plus de pause. Ce qui veut dire qu'à chaque série qu'on travaille, on doit avoir pu récupérer et on peut vraiment y aller à fond pendant 20 secondes. Allez, c'est parti, tirage. Là, de nouveau 40 secondes de pause. Donc là, c'est deux tours avec un petit peu moins d'intensité, donc global, puisqu'on a vraiment plus de pause. On doit vraiment pouvoir aller à fond sur les exercices. Basket, à chasser, sauter. Allez, rapide. Prochain exercice, ça sera les demi-tours. Allez, c'est parti. Chez l'exercice, saut, demi-tour,
avec vraiment un squat où on plie ses jambes, important, et on saute. On se concentre quand même sur notre position, les jambes, les pieds, la tête droite. Allez, 40 secondes pour souffler. Et on part sur des abdos. Et c'est 20 secondes du rythme. Ah, donc deuxième tour, hein, 40. Donc, on continue comme ça. Vous voyez, là, on est quand même, on a pu récupérer un tout petit peu, et puis on est prêt à chaque fois pour ces 20 secondes, où on peut aller un peu plus, toujours un peu plus fort, toujours un peu plus vite. Donc, fonte, squat, avec du rythme, sans jamais relâcher pendant 20 secondes. Et on descend sur ses jambes, c'est important. Deuxième exercice, tirage sur les bras, on part dans 10 secondes, on est frais, plus ou moins, donc on peut aller fort et vite, et n'oublie pas de fermer ses mains, surtout les judokas, travaillez aussi cette poigne. Dans 10 secondes, la basket. On essaie d'accélérer à chaque fois sur le pas chassé. Et on n'oublie pas de sauter, hein. Très bien, la suite, c'est les demi-tours, on essaie de trouver son rythme, et puis de garder un rythme constant.
si possible, rapide. C'est parti! Allez, encore deux exercices avant le tour final. Saut demi-tour. N'oublie pas de descendre sur les jambes. C'est chaque fois un squat, saut demi-tour. On part dans 5 secondes. L'objectif sur le saut, c'est décoller le plus haut possible, toujours. Hein. Ensuite, abdominaux, c'est la fin de la quatrième, non, la sixième série, sixième et avant-dernière. Très bien, donc il nous reste un tour difficile, 40 secondes d'exercice, 20 secondes de pause comme au début, mais cette fois-ci uniquement un tour, on essaie de mettre la même intensité, la même vitesse qu'on a mis sur ce 20, 40 avant, mais cette fois-ci sur 40, puisque c'est qu'un tour, on essaye de s'accrocher et vraiment d'aller à fond, c'est un sprint final ou un long sprint, parce que 40 secondes, pour un sprint, c'est long, mais on fait au mieux. C'est un seul tour, 6 exercices. Go! Plus on décolle, plus l'exercice est utile. Peut-être aussi les plus durs, mais c'est pas grave. Allez, on s'accroche. Allez, on tient. Allez, la pause est plus courte, mais on se rapproche toujours de plus en plus de la fin. Allez, on s'accroche, on tire sous ses bras. Allez, allez, de vrais mouvements. Seconde de pause, basket.
on essaie vraiment d'aller le plus haut possible pour mettre sa barre au panier. Allez, excellent. Prochain exercice, demi-tour, uchikomi, c'est parti. Prochain exercice, squat demi-tour. Je conseille ici le petit relevé intermédiaire sur 40 secondes, ce qui n'empêche pas du rythme et de l'amplitude dans les mouvements. Allez en bas et bien sauter en l'air. Allez, tout dernier exercice, c'est les abdos. On souffle. Activity completed. Voilà, on a terminé l'activité. Toujours merci à ceux qui nous suivent. C'est toujours un plaisir pour nous de faire cette petite séance à plusieurs avec vous en live. Profitez de nouveau de bien récupérer. Je sais que les séances du mardi sont pas faciles. Le but, voilà, de montrer aussi un tout petit peu ce qu'on fait, et puis voilà, de faire des séances intenses, c'est un peu le but de ce qu'on a fait là. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, bonne reprise à ceux qui reprennent bientôt, et puis sauf erreur, les entraînements continue sur Lyon Région TV, donc continuez à rester fidèle à ces entraînements pour la suite. Bonne semaine, au revoir et à bientôt peut-être. Bonne semaine, merci à tous, au revoir. Merci, à bientôt.
bientôt. Tchuss.